Chers amis de Vive l'Europe, bonjour. Nous allons aujourd'hui avoir une émission, j'ose le dire, passionnante et exceptionnelle, puisque mon invité n'est autre qu'Alain de Peretti, et nous allons parler d'une notion que vous allez voir qu'elle est fondamentale, à partir d'un ouvrage, d'un opuscule, on va dire, d'une vingtaine de pages, qui n'est pas encore publié à la date où je vous parle. C'est sous impression, ça va sortir très bientôt, et je pense que ça devrait faire un certain bruit. Alain de Peretti, bonjour. Oui, bonjour. Donc Alain de Peretti, bon écoutez, vous êtes connu comme le loup blanc, je ne pouvais pas l'arrêter celle-ci puisque vous êtes docteur vétérinaire. Mais quand même, vous savez qu'il y a toujours des gens qui tombent de la planète Mars de la veille au soir. Et donc, de Vénus, carrément, si vous voulez. Et donc, ce que je vous propose, c'est de vous présenter rapidement, d'accord ? Tout à fait. Alors, vous êtes le docteur Alain de Peretti, Della Rocca, vous ne pouvez pas nier vos origines corse, mon cher Alain, non ? Je vais me le dire. Donc, vous êtes... Attendez, excusez-moi une petite remarque. Allez-y. Je suis donc un Français de sang mêlé. Hein. Ah, un Français de sang mêlé, oui. Donc, comme l'a dit notre cher ministre de la Justice. Oui, c'est vrai qu'il a dit sang mêlé. Oui, mais lui, ouais. Bon, se revendique d'origine italienne, ce qui n'est pas votre cas, parce que la France est française depuis l'année d'avant la naissance de Napoléon, d'après mes souvenirs. Voilà. Donc, vous êtes vraiment franco-français, vous êtes de sang pur. Bien, alors, donc, docteur Alain de Peretti, vous êtes diplômé de l'École nationale vétérinaire de Toulouse, lauréat de l'Université Paul Sabatier de Toulouse, ancien assistant en chirurgie, vétérinaire praticien rural à Castelnaudary. Vous confirmez tout ça, bien sûr. Oui, tout à fait. Porto Vecchio, donc là nous sommes en pleine Corse, n'est-ce pas ? Et oui. Langon, près de chez vous, donc en Gironde. Langon, hein, c'est bien ça. D'accord. Vous êtes ancien inspecteur vacataire de l'abattoir de Castelnaudary, capitaine des sapeurs-pompiers de Gironde, je lis, avec formation en médecine de catastrophe et d'équipe cynophile. Donc vous occupez également de chiens. Créateur d'un laboratoire de santé animale, président de la ferme conservatoire de l'Essart, en Gironde, donc, qui œuvre pour la sauvegarde des races bovines et ovines anciennes en voie de disparition. Est-ce que vous allez jusqu'au UR ? Non, peut-être pas. Non, pas encore. Mais bon, vous êtes en bonne voie. Très bien. C'est des races locales, la race lourdaise, oui. La race bernaise. La race, donc, c'est pour les bovins et les moutons, le rouge du Roussillon, la race landaise, notamment. Voilà. D'accord. Bon, vous êtes président de l'association Vigilance Halal, bien connue de nos auditeurs. Vous avez un site sur Internet, Vigilance Halal, protection et respect de l'animal et du consommateur. Mais l'animal vient en premier, donc j'ai beaucoup apprécié. Que vous ayez ce souci de l'animal qui est relativement rare sous nos climats. Vous êtes organisateur du colloque, vous avez été organisateur du colloque le 25 mai 2013, dont les actes sont édités dans Vérité sur la viande halal aux éditions Godefroy de Bouillon. Docteur Alain Peretti, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter pour votre défense ? Défense, donc j'ajouterai que j'ai la prétention d'être un homme libre et de vous faire l'êtes, action, je confirme une action, je dirais, apolitique, au d'accord. sens noble du terme. D'accord. C'est-à-dire qu'elle est politique dans le sens où je m'occupe de la vie de la cité, ouais. Mais je ne me rattache et refuse avec obstination de me rattacher à aucun parti politique. Je suis au service du bien commun et je suis prêt à aider toute formation politique qui œuvrera dans le sens qui est le mien, à savoir la sauvegarde de notre identité, de notre civilisation, de notre culture, dont font partie d'ailleurs les modes d'abattage. Absolument, donc, voilà, oui, nous allons naturellement en parler. Voilà, donc c'est mon focus, c'est vraiment donc
je suis par le biais du halal, oui. Je cherche à démontrer à nos concitoyens que notre culture est menacée par l'invasion de l'islam. Alors nous allons évidemment en parler, c'est je dirais l'un des points nodaux, fondamentaux de notre entretien. Voilà. Est-ce que vous souhaitez présenter, alors je vais vous demander d'être bref parce que, comme vous savez, présentez s'il vous plaît, docteur Alain Peretti, votre association Vigilance Halal, de quoi s'agit-il? Alors, nous l'avons créé en 2012, c'est un petit peu grâce à Marine Le Pen, il faut lui rendre hommage dans ce cas-là. C'est pas forcément le cas en toute occasion, et parce qu'elle avait fait, ça avait fait le buzz, vous savez, dès qu'elle dit quelque chose, ça fait le buzz. Elle avait dit que tous les abattoirs d'Île-de-France étaient halal, et il y avait eu une polémique, et du coup, je m'étais intéressé à ce phénomène, j'avais pas pris conscience que le halal était en train d'envahir la sphère publique. Et effectivement, je me suis rendu compte que déjà en 2012, 60% des animaux étaient abattus halal, alors que la communauté musulmane ne représente que, on ne sait pas trop parce qu'il y a une main. On ne sait pas trop, en effet, oui. On ne sait pas trop, mais bon, allez, 10 millions à la louche, au moins 10 millions de personnes, ouais. Qui, elles, ne mangent pas tout halal. Alors, j'ai créé l'association. Je me suis engagé dans la lutte contre le halal tout de suite par des actions en justice parce que je me suis rendu compte que on donnait des facilités dans le cadre de ce que j'appelle de la lèche-baboucherie. Vous voyez un petit peu la subtilité. Oui, oui, mais c'est très imagé. On voit très bien le geste. On le suit. La lèche baboucherie, donc de faciliter évidemment cette chose-là pour diverses raisons. Alors, mais très rapidement, je me suis rendu compte, enfin, je le savais plus ou moins instinctivement, mais que on ne pouvait pas se battre contre le halal sans aller voir la cause, l'origine, la source. La source, c'est quand même l'idéologie islamique, l'islam même tout court, hein, puisque moi Oui, vous ne faites pas de différence entre islamisme et islam. Il n'y en a pas. Ce sont des circonvolutions qu'on utilise actuellement pour noyer le poisson, ce qui fait qu'on ne comprend rien, ouais. À la chose. Ouais. Et que le halal est défini par, ça veut dire ce qui est pur, ce qui est permis par la loi islamique, la charia. Ouais. Et donc, si vous voulez, le danger du halal est multiforme. Mais c'est une manière de nous habituer peu à peu à la loi islamique, à la charia. D'accord. Ce que certains intellos appellent l'islamique way of life, vous voyez un petit peu comme ça sonne bien. Ouais. Et c'est en quelque sorte, ça a été défini par d'autres personnes que moi, comme étant le soft power de la... Que de mots anglais, dites donc, islamique way of life, ouais, soft power. Je, connaissant votre sensibilité sur le sujet, je suis sûr que vous allez me mettre à l'amende. Ah non, j'ai pas le droit. Non, vous savez, notre ami Conversano est quelqu'un de très libéral, et donc, si ça se trouve, on va parler à un moment arabe, voilà. Sans trop de difficultés. Voilà. Enfin, autant que je connaisse de mots arabes, naturellement. Voilà, donc ceci étant posé, on se trouve donc pas avec le halal. Donc, à une accoutumance de la société française à la charia. Voilà. La lutte contre le halal est un moyen extraordinaire pour faire toucher du doigt nos concitoyens qui sont endormis par la propagande, leur faire toucher du doigt la conquête de l'islam peu à peu de l'espace public et des esprits. Hein. Très bien. Voilà. Et du coup, donc, l'association a engagé beaucoup d'actions, toujours dans le cadre de la légalité, actions judiciaires. Oui, vous employez tous les moyens, même légaux. Donc. Même légaux, exactement. Ah, c'est incroyable, ouais. Ouais, très voilà. Bien. C'est notre principe, ouais. Et on se rend compte que d'état de droit, nous n'avons souvent que le nom, puisque le droit est souvent bafoué. Oui. Et ça, tout le monde le sait, tout le monde s'en rend compte. Ce n'est qu'un cache-sexe, si vous voulez, de ce qui avance. Oui. Et j'ai l'appui
l'habitude de dire que l'islam est en train de devenir la religion officielle de la République et que, je résume ça dans une formule que m'a inspiré Ségolène Royal, et je dis que l'halalitude est le prélude à la dimitude. Ah bien, ça sonne très très bien. Voilà. Il y a un copyright ou on peut l'utiliser ? Vous pouvez l'utiliser. Ah, c'est parfait, très bien. Voilà. Donc l'halalitude est le prélude à la dimitude, c'est parfait, très bien. Voilà, alors pour revenir au fait, parce que je sais qu'il y a un sujet que j'aimerais développer particulièrement aujourd'hui, parce que c'est une très grosse action. Oui, absolument, oui, ouais, ouais, en effet. Et est-ce que vous souhaitez dire quand même quelques mots sur votre mouvement Suivez le Coq? Ok, oui, alors... Mais très rapidement, encore une fois. Oui, tout à fait. Tout à fait. Voilà. Alors, l'association a grossi de façon extrêmement rapide, puisqu'elle correspondait quand même à des préoccupations, toutes sortes de préoccupations. Nous avons maintenant plus de 15 000 membres. D'accord. Nous avons une page Facebook qui a dépassé avant-hier les 20 000 j'aime. Et nous avons de plus en plus d'échos un petit peu partout. Et nous commençons à peser. Nous commençons à peser. Mmh. Nous permet d'améliorer justement le lobbying que nous faisons. Lobbying, groupe de pression, on va dire. Allez-y, continuez, docteur. Vous avez mon absolution. Allez-y. L'influence. Voilà. Nous devenons des influenceurs. Très, très bien. Bravo. Voilà. Donc, nous avons mis en place toutes sortes de canaux de communication et puis surtout des actions en justice et qui vont se matérialiser. Donc, je ne vous parlerai pas de toutes les actions en justice. Il y en a non, parce qu'on a pour des heures, là. Voilà, plus de 30. Oui, ah, oui, d'accord. Oui, à raison de 3 minutes chacune, ça fait une heure et demie. Bon. Voilà, donc il y a beaucoup de choses, j'aurais beaucoup de choses à dire, simplement que je résumerai en disant que le droit n'est pas appliqué et que les tribunaux sont très lents. Hein, donc la première victoire, on l'a obtenue au bout de 7 ans. 7 ans de ferraillage pour aboutir à une victoire, d'accord. Et là, nous avons gagné, mais bah, ce n'est pas terminé puisque... c'est contre la préfecture de Seine-et-Marne et qui a été condamné, mais qui n'a pas exécuté le jugement de la Cour d'appel administrative de Paris. Ah, d'accord. Ce qui fait que ça occasionne un nouveau contentieux pour les contraindre. J'espère que plus le temps passe, plus je me réjouis d'une certaine manière parce qu'il y a une astreinte. Il y a une astreinte financière. Ah, bah, c'est très bien, ça vous va renflouer vos caisses. C'est très bien. Bon, bah, c'est une bonne nouvelle qui tarde, alors, finalement. Voilà, donc, bon, on peut prendre les choses comme ça. Voilà. Alors, oui, donc, voilà un petit peu l'association. On s'est doté, évidemment, de toutes sortes de choses. On s'est professionnalisé. Oui. Si vous voulez, dans toute ma vie, j'ai été un militant de longue date de toutes sortes de mouvements, mais je déplore que chaque fois nous n'ayons été dans un amateurisme quasiment total. C'est un de nos défauts, effectivement, oui, c'est vrai. Et mon souci était de professionnaliser. Et à l'heure actuelle, j'ai 4 salariés qui sont permis justement par les cotisations de ces 4 000 membres. D'accord. Et, 4 salariés, dont un qui est dévolu à une autre action qu'on a développée, qui galère un peu, qui s'appelle Suivez le Coq. Alors, c'est une opération intéressante, est-ce que vous pourriez nous en parler? Voilà, tout à fait. Alors, ça consiste, on a contacté des bouchers en leur disant que leur intérêt pour sauvegarder leur profession, c'était de garantir aux clients que la viande qu'ils vendaient ne provenait pas d'un abattage rituel. Ou du moins qu'il y a une traçabilité de la viande vendue, que le client puisse faire son choix. S'il veut de la viande halal, il achète de la viande halal, après tout. Voilà. On est libéraux, nous autres. Comme
n'y a pas d'obligation d'étiquetage. Voilà, pour l'instant, il n'y a pas d'étiquetage obligatoire. Et je crois qu'il y avait une proposition de loi, mais qui avait été refusée par, sous la pression d'un certain Sarkozy, me semble-t-il, non ? Ouais, voilà, alors Sarkozy, ouais. Effectivement... Et président de droite, bien sûr, hein, j'ai oublié de le préciser, mais tout le monde, je crois, le sait. Oui. Voilà, Dupont-Aignan a déposé un projet de loi pour qu'il y ait un étiquetage, ça n'a même pas été examiné par l'Assemblée. On l'a soutenu, on a écrit aux députés, etc., on a fait écrire à nos adhérents. Mais ça n'a pas, vous voyez, bon, c'est tombé un petit peu à l'eau, mais bon, vous voyez, on a des actions de ce type-là. D'accord. Et tu veux le coq, on a 350 bouchers qui ont adhéré à ce réseau. Donc ça commence à être un réseau important et ça couvre l'ensemble de la France. Grosso modo, effectivement, j'ai vu la plaquette que vous avez distribuée à ce niveau-là. Et en effet, on peut tomber sur un boucher qui vous propose de la viande non halal sans faire des dizaines de kilomètres ou encore moins des centaines. Alors, malheureusement, 350, ça représente pour certains cas. Mais dans les grandes villes, en tout cas, on est sûr de tomber à un kilomètre ou deux, on est sûr de tomber sur un boucher qui vous propose de la viande non halal. D'accord. Et alors, donc justement, il y a certains bouchers qui ont témoigné que leur clientèle avait augmenté de ce fait. Eh bien, c'est très bien, ouais, d'accord. Mais je pense que, honnêtement, enfin bon, on en avait déjà parlé, mais je pense que vous devriez ouvrir cette action aux restaurateurs. En demandant aux restaurateurs d'afficher la provenance de la viande, tout simplement. C'est prévu, d'accord, très bien. Et là, je pense que certains restaurateurs augmenteraient leur clientèle, me semble-t-il. Surtout avec la crise sanitaire actuelle, on va parler de tous les microbes qui nous entourent, et c'est pas triste. Voilà. Bon. Donc, voilà un petit peu toutes nos actions. Vous voyez qu'on a quand même de la matière. Oui. Je suis fier de cette organisation. Mais écoutez, il y a de quoi, effectivement. C'est une belle réussite, j'allais dire idéologique, mais au meilleur sens du terme, naturellement. Voilà, c'est à la force, un petit peu à la force du poignet, parce que les gens n'ont pas toujours été favorables, mais la persévérance, et c'est le message que je voudrais adresser à tous vos auditeurs, la persévérance et le sérieux, quand on fait les choses sérieusement, et qu'on persévère, ça paye toujours. Pour avoir donc justement mis sur place ces actions, on a relativement de la facilité à lever des fonds pour nos actions, parce que les gens donnent, si on leur propose quelque chose de sérieux, voilà. Exactement, c'est ça. Vous ne vendez pas du vent, vous vendez de l'action. Et c'est bien. Voilà, on vend de l'action et... Vendre au sens le meilleur, non commercial, puisque vous êtes avant tout un militant et un militant français. Voilà, qui bien garder, si j'ose dire, les pieds sur le plancher des vaches et des choses... Pour un vétérinaire, ça me paraît aller de soi, tout à fait. Ah, écoutez, docteur, j'allais dire que nous étions dans les préambules, mais c'était important de préciser tout ce que vous avez fait. Maintenant, nous allons parler de quelque chose de fondamental. C'est un rapport dont vous êtes le co-auteur. Voilà. Alors, je présente à nos téléspectateurs ce rapport. Voilà, donc il s'appelle... Menaces sanitaires liées à l'abattage halal. Et alors, c'est un rapport qui n'est pas encore paru, il est sous presse, et vous nous en réservez la primeur. Donc, docteur de Peretti, soyez-en infiniment remercié. Vous allez nous parler de ce rapport, qui est un rapport très court, d'une vingtaine de pages à peu près, mais l'importance d'un rapport ne tient pas à sa longueur. Je vous signale que quand Einstein a eu le prix Nobel, en 1905, mais c'était plus tard, c'était pour un tout petit rapport d'une vingtaine de pages sur l'électrodynamique des corps en mouvement, et c'est ça qui lui a occasionné le prix Nobel. Donc, je pense que vous aurez peut-être le prix Nobel pour ce rapport de 20 pages. En tout cas, je vous le souhaite. Enfin, bon, idéologiquement, vous êtes plutôt mal parti. Je vous mets en garde quand même. Soyez plus politiquement correct. Alors,
Alors, j'aimerais que vous nous présentiez ce rapport. Vous allez parler de choses naturellement techniques, puisque vous êtes vétérinaire, donc vous allez nous parler de choses qui sont du domaine de la science. Vous connaissez comme moi la formule de Paul Valéry, tout ce qui est simple est faux, et tout ce qui est compliqué est inutilisable. Bon, alors, je vais vous demander d'être à la fois simple, mais pas trop, et compliqué, mais pas trop, de manière à ce qu'on puisse comprendre ce que vous dites sans que ça soit trop vulgarisateur, si j'ose dire. Voilà, voilà. Donc, si je comprends bien, vous me demandez d'être centriste, c'est ça? Oui, soyez centriste, voilà. Faites un effort sur vous-même et essayez d'être clair, c'est tout ce que je peux vous dire. Alors, voilà. Donc, docteur Alain Dupéretti, nous allons parler, le gros mot que vous allez lâcher, je le lâche pour vous, c'est l'antibiorésistance. Alors, voilà. De quoi s'agit-il? Et peut-être, dans un premier temps, pourriez-vous nous présenter le co-auteur de ce rapport? Voilà. Alors, si vous voulez, ce rapport, en fait, est appuyé sur une étude extrêmement fouillée, précise, complète, sur l'état des connaissances scientifiques au jour d'aujourd'hui, qui a été établie par quelqu'un qui s'appelle le docteur Jean-Louis Tillier, oui. Qui est un expert indépendant, je tiens à le dire, et lui, il tient beaucoup, parce qu'il n'a aucun conflit d'intérêt, qui... C'est le valet de tous les médecins dans la crise du Covid, c'est une parenthèse. Voilà. Et qui d'ailleurs a signé une tribune récemment dans le Parisien, je crois, qui ouais. Disait que nous ne pouvons pas continuer à vivre dans la peur. Pour vous dire, et voilà. Alors, il a été notamment expert unique auprès du tribunal de grande instance de Paris dans le dossier de la vache folle. Mmh. Il a été aussi expert dans le dossier de l'amiante. Donc, si vous voulez, sur des très gros dossiers de sanitaires, hein, donc sur le plan de la santé, et c'est quelqu'un d'extrêmement érudit. Mmh. Et il a travaillé pendant 9 mois, collationné toutes les connaissances que nous avions sur l'antibiorésistance. Alors, l'antibiorésistance, ce sont les germes qui sont devenus insensibles aux antibiotiques, ce qui pose des problèmes. Voilà, pardon. Ah, oui. Oui, ce qui pose des problèmes insolubles ouais. En hôpital ou pour soigner ou pour votre médecin de ville, pour vous soigner quand vous avez une infection, puisqu'on a de plus en plus de chances de tomber sur des germes qui non seulement résistent à un antibiotique, mais qui sont multirésistants, c'est-à-dire qui sont résistants à tous les antibiotiques. Est-ce qu'on appelle les maladies nosocomiales, hein, c'est bien ça? Alors, oui et non, pas forcément, parce que vous pouvez attraper une infection dans votre jardin, qui ne sera pas nosocomiale, parce que nosocomiale, c'est quand vous attrapez ça à l'hôpital. L'hôpital, oui. Et a fortiori à l'hôpital, bien entendu. Mais une infection qui va, qu'on ne pourra pas soigner, parce que les microbes sont résistants. Et ce phénomène est en pleine explosion à l'heure actuelle, pour toutes sortes de raisons, qui sont l'utilisation anormale, bien sûr, d'antibiotiques. Alors, on vous a dit, vous vous souvenez de la campagne, les antibiotiques, c'est pas automatique. Ouais. Y a eu beaucoup d'efforts de fait dans ce sens, mais qui sont, qui ont été, comment dirais-je, anéantis par le fait, il y a un chiffre que je vous citer, qui est absolument époustouflant. 80% des antibiotiques produits dans le monde sont consommés par les animaux. Attendez, consommés, c'est-à-dire fournis par les vétérinaires aux animaux, c'est ça? Voilà. Et d'accord. Par les élevages. Dans les élevages. Et le reste d'élevage. Ah oui, d'accord. Alors, 80%. Voilà. Oui, et donc, il n'y a que 20% des antibiotiques qui sont en direction des humains. Qui sont utilisés sur les humains, vous voyez? Alors, ce sont des chiffres absolument extraordinaires. 80-20, bon, d'accord. Je continue le cheminement, hein, pour que vos auditeurs, vos téléspectateurs saisissent bien la problématique. Ouais. Comme il y a 80% des antibiotiques consommés par les animaux, vous avez donc dans le rumen, ce qu'on appelle le rumen, c'est-à-dire l'estomac des ruminants, hein, les vaches, les moutons, les chèvres, vous avez donc des germes qui sont antibio-résistants, qui sont extrêmement résistants.
Et la problématique que j'attaque ici, c'est le fait que dans l'abattage rituel, donc halal plus particulièrement, au lieu de... Oui, parce que, petite parenthèse, l'abattage cachère est extrêmement réduit, je crois, c'est 0,5%, me semble-t-il. Voilà, 0,5% des abattages, et l'abattage halal, plus de 60%. Plus de 60%, donc les chiffres sont clairs, oui, tout à fait. Voilà. Mais voilà. En tout cas, bon, si on fait abstraction de ces chiffres, c'est le même type d'abattage, nous sommes d'accord. Ah oui, c'est exactement, avec les mêmes problèmes. D'accord, dans sa voilà, donc avec les mêmes problèmes, oui, c'est ça. Alors, je ouvre une petite parenthèse ici, qui est la suivante. Depuis la création de Vigilance Halal, je pensais pouvoir bénéficier de l'aide des associations de protection animale. Oui. Or, je n'ai jamais pu, j'ai même eu même de l'animosité de leur part. Avoir de l'animosité quand on est vétérinaire, c'est un comble. Hein. Et parce qu'il me considérait comme quelqu'un de islamophobe. Oh, en fait, attendez, non, moi je peux certifier que vous n'êtes pas docteur. Allons. Voilà, je suis plutôt chariaphobe, c'est-à-dire... Oui, voilà, c'est ça. Ouais, oui, le mot, bon, c'est un néologisme, mais qui dit bien ce que ça voilà. veut dire. Alors, vous luttez contre une pratique et non pas contre une religion ou une idéologie. Voilà, mais ces gens-là refusent de comprendre ma stratégie et mon raisonnement parce que l'abattage rituel consiste non seulement à un non-étourdissement, ce qui est mis en avant pour la souffrance animale, que je ne nie pas en aucun cas. Mmh. Mais, accompagnant cet acte de non-étourdissement, vous avez un égorgement large pour obtenir la saignée qui coupe la trachée et l'œsophage et ce qui entraîne des pollutions. C'est une méthode qui est sale. Et l'étourdissement est sous dérogation, c'est-à-dire que la règle, c'est l'étourdissement. Mais pour l'abattage rituel, il y a une dérogation à l'étourdissement. C'est la base. Il y a une dérogation, oui, c'est ça. Voilà. Voilà. Mmh. Mais au niveau de l'Europe, vous avez un règlement concernant l'hygiène de l'abattage, un règlement qui est porte numéro 858-2004, qui stipule que lors de la saignée, pour des raisons d'hygiène, la trachée et l'œsophage doivent être épargnés. C'est-à-dire que le rumen ne doit pas s'évacuer à l'extérieur, voilà. Hein, c'est bien ça. À l'extérieur, exactement. Et souiller la viande et polluer la viande par des germes. Alors, non seulement polluer la viande, mais vous allez le voir, et c'est là qu'on va avancer dans la démonstration de ce que je vous disais concernant l'antibiorésistance, vous allez avoir donc relâché à l'extérieur tous ces germes qui sont dans la panse, dans le rumen, qui vont être à l'extérieur. Mmh. Et ces germes ont une particularité, c'est d'être très très bien organisés. D'abord, ils communiquent. Ils sont syndiqués. Ils sont syndiqués. Voilà, ils sont syndiqués. Ouais. Ils ont une solidarité. Ouais. Et une solidarité microbienne, si j'ose dire. Mmh. Et lorsqu'ils sont à l'extérieur, sous agression, puisque pour eux, ils quittent le nid douillet de l'estomac, ils vont se réunir et former ce qu'on appelle un biofilm. Un biofilm, c'est-à-dire avec une espèce de colle, de glu, qui va les protéger de l'action des désinfectants et de l'action du nettoyage. À la fois désinfectant et antibiotique, c'est bien cela ? Et antibiotiques, enfin, surtout, et antiseptiques. Parce antiseptiques. Les antibiotiques, alors il faut bien voir la différence entre antibiotiques, qui sont des médicaments qu'on donne par voie buccale, et les antiseptiques, les désinfectants, comme l'eau de Javel, etc., tout ça, qui sont utilisés pour tuer les germes purement et simplement dans le milieu extérieur. Oui, hein? Oui. Et alors, hors micro, vous me disiez que finalement, les germes allaient s'habituer aux désinfectants, et ce qui fait que le gel hydroalcoolique serait bientôt arrangé au rayon des accessoires. N'aurait pas d'utilité. Oui, parce qu'en fait, ce qui permet de lutter, c'est plutôt l'hygiène des mains, se les laver avec du savon, c'est-à-dire enlever la pellicule. Mais le gel hydroalcoolique, à la limite, ne vous enlève pas,
n'enlève rien, il est censé désinfecter. Mais voilà. Si vous voulez, c'est une méthode, c'est un pis-aller, si j'ose dire. Hein. Quand on n'a pas d'eau à sa proximité, ce n'est qu'un pis-aller. Mais c'est une... Alors, oui, je pense, pour revenir au sujet, pour que vos spectateurs comprennent bien la problématique, c'est que les germes, les microbes, ont une vie sociale intense. Ils échangent les bons tuyaux. Et notamment, les bons tuyaux, c'est la résistance aux antibiotiques et c'est les gènes de virulence. Et alors là, nous sommes bien d'accord que, quels que soient les gènes, même des gènes différents, de nature différente, échangent entre eux. Les bactéries qui sont... Ils ne sont pas communautaristes, autrement dit. D'accord. Les espèces peuvent faire une espèce d'accouplement, si vous voulez, et transmettre du matériel génétique qui va passer d'une cellule à l'autre. D'accord. C'est extraordinaire. Ouais. Et ça peut se faire en l'espace de quelques secondes, quelques minutes, surtout lorsqu'il y a un stress, c'est-à-dire lorsqu'il y a un danger qui vient de l'extérieur, ils communiquent. Oui, lorsque les jeunes sont en état de stress. Hein. Pas le malade, mais le... D'accord, oui. C'est le cas lorsqu'ils sortent de la panse. Voilà. Donc, ils sont en état de stress, ces gènes, et donc ils produisent à ce moment-là ce que vous appelez des biofilms, hein. C'est bien cela. Voilà, des biofilms. Voilà. Et c'est après, ces germes sont entraînés dans les eaux usées, ils auront échangé leurs gènes d'antibiorésistance, ils vont se retrouver dans le milieu extérieur, et répandus sur les champs, qui vont nourrir les animaux, et qu'on va consommer, etc. Et puis... Les végétaux également, ça peut se retrouver dans les végétaux ? Voilà. Et d'accord. Puis, ils peuvent être portés par les chaussures des acteurs, des abattoirs, etc. Alors, simplement pour souligner, pour que nos téléspectateurs comprennent bien, l'abattoir est un lieu où l'hygiène a une grande importance. On l'imagine bien, oui, tout à fait. Oui. Voilà, bien sûr. Grande importance. Vous avez vu qu'avec l'épidémie de Covid... Oui. Récemment, il y a eu beaucoup de foyers, de clusters, comme on dit, mais je dis foyers. Hein, très bien, très bien, je remarque. Bon. qui se sont produits dans les abattoirs. Pourquoi ? Parce qu'il y a une atmosphère chargée en humidité, puisqu'on passe le jet en permanence pour nettoyer. Voilà. Il y a beaucoup de germes qui arrivent de l'extérieur, bien sûr, il y a beaucoup d'animaux qui arrivent de provenance différente, etc. Donc ça, c'est le premier point. Il faut savoir que Napoléon, le grand Napoléon, avait pris un décret qui obligeait les abattoirs à aller à la périphérie, s'éloigner des villes. D'accord, oui, en effet. Pour des raisons d'hygiène. Bien sûr. Et il faut savoir aussi que en 1996, à Briançon, il y avait une épidémie de fièvre cul, qui est une maladie commune à l'homme et aux animaux, qui provenait d'abattoirs du coin, les germes qui en provenaient étaient pulvérisés vers la ville par une base d'hélicoptère de la gendarmerie qui se trouvait à proximité. Vous voyez ? Je vois pas en quoi la gendarmerie pulvérise des trucs qui contaminent la population. C'est pas la gendarmerie, ce sont les hélicoptères qui jouent le rôle des dormes ventilateurs. Hein. Ah oui, d'accord, oui, c'est ça, à ce niveau-là, oui, d'accord. Voilà, c'est des pulvérisateurs en quelque sorte, oui, mais involontaires. Des ventilateurs, qui pulsent justement. Oui, d'accord, d'accord. Et donc, à l'heure actuelle, et ça j'insiste beaucoup, ça c'est une notion que j'aimerais que... Tous les germes antibio-résistants qui résistent aux antibiotiques qu'on trouve dans l'eau sont des germes qui sont d'origine animale. Parce que maintenant, avec le séquençage génomique, avec le PCR, vous savez qu'on a effectué d'ailleurs sur le virus du Covid, oui, qui permet de le typer, on a un typage extrêmement précis. Tout à fait, oui. Des bactéries et des virus. Voilà. Eh bien, on s'est rendu compte que par rapport à il y a 50 ans, ce n'était pas le cas il y a 50 ans. Maintenant, tous ces germes résistants proviennent des animaux, sont des gènes d'origine animale. Et donc, ça veut dire qu'il y a un grand balai, une grande fête, j'allais employer un autre terme, mais ça serait peut-être pas très correct, entre ces germes d'origine animale et humaine. Tout le monde est copain. C'est-à-dire que tout ça est favorisé
évidemment par les grandes concentrations à la fois humaines et animales. Oui. Hein. Donc les grandes villes sont plus menacées, bien entendu, que les campagnes, mais même quand le gars à la campagne va se faire soigner à l'hôpital, oui, il risque de rencontrer justement ces fameux germes. Donc vous voyez, on n'est pas jamais à l'abri. Mmh. Et une catastrophe aussi, ce sont les élevages industriels, concentrationnaires, qui justement favorisent par le nombre de germes qui circulent, favorisent ces transferts. Ces transferts de technologie, hein, donc de bactérie à bactérie, oui, et ce qui fait que l'antibiorésistance est prévue. Elle tue actuellement, c'est répertorié par l'OMS, 12 500 personnes par an en France. D'accord. Et il est prévu qu'il y ait 50 000 morts de l'antibiorésistance dans 20 ans en France, par l'OMS. Alors on sait ce que valent les prévisions de l'OMS. Il ne faut peut-être pas les prendre au pied de la lettre, mais malgré tout, il y a quand même quelque chose à sujet de réflexion à avoir. Vous mettez ça en page 5 de votre rapport. Vous donnez un petit florilège des déclarations officielles concernant l'antibiorésistance. Et je lis alors l'OMS, l'ANSES, l'ARS, l'INSERM, ces choses sont prises très au sérieux par les organismes officiels. Oui, tout à fait, mais à juste titre, parce que... C'est pas un fantasme du docteur de Beretti, si vous voulez. Ah non, mais tout à fait. D'accord. Parce que si vous voulez, pour faire un petit peu d'histoire médicale, lorsqu'on a inventé la pénicilline, etc., les antibiotiques, il y a une phase où on avait pensé qu'on avait vaincu définitivement les maladies infectieuses, mais il y a eu un retour de bâton parce qu'on n'avait pas prévu que les bactéries pouvaient développer justement ces... L'antibiorésistance, oui. Qui est, et ça aussi, c'est intéressant intellectuellement pour nos auditeurs, nos téléspectateurs, c'est que les bactéries sont douées dès l'origine, on a pu le voir en les testant dans des milieux naturels préservés, elles ont des gènes d'antibiorésistance dès l'origine, et qui ne demandent qu'à être développées. Qu'à être activées, oui. Entre les bactéries. Donc, c'est quelque chose. La nature et la vie sont quelque chose d'absolument extraordinaire. Et on ne peut pas vivre. Alors, il faut aussi une autre notion que j'aimerais non pas développer, mais aborder, oui. Donner à nos amis qui nous écoutent, c'est que nous vivons en bonne harmonie dans une espèce de vivre ensemble. De vivre ensemble, qui dira peut-être... Oui, mais quelquefois, ça existe, le vivre ensemble heureux. C'est... Avec toutes les bactéries et les virus qui nous entourent, que ce vivre ensemble est mis en péril lorsqu'il y a des disharmonies dans l'environnement. C'est-à-dire lorsque une souche, par exemple, de germes, va prendre trop d'importance par rapport aux autres. D'accord. Vous allez avoir une rupture de l'équilibre. D'accord. On peut en tirer des conclusions sur l'examen de nos sociétés humaines. Oui, on peut faire des conclusions sociologiques par rapport à ce que vous dites. Exactement. Mais enfin, on évitera parce que là, on est parti pour 3 heures, je crois. Voilà. Non, mais c'est simplement, nos téléspectateurs y réfléchiront. Hein, je leur donne simplement un point de réflexion. C'est la disharmonie, c'est le déséquilibre. Et il ne peut y avoir que... les systèmes vivants sont basés sur l'harmonie et l'équilibre. Oui. Et voilà. En tout cas, l'hygiène à l'abattoir, oui, pour revenir à... Oui, c'est quelque chose de fondamental, oui, tout à fait. Fondamental. Et nous allons déposer ce rapport, nous allons le déposer devant la Commission européenne pour demander l'abrogation de la dérogation 858-2004, et de ce fait, qui on aboutira à une interdiction de l'abattage halal et cachère. Oui, alors sur l'ensemble de l'Europe, ou alors en Flandre, comme ça s'est passé récemment. Oui, justement, il y a une action qui vient de... Parce que la Flandre avait interdit l'abattage. Oui, absolument, oui, c'est ça. D'abord la Flandre et ensuite la Wallonie. Oui, voilà. Mais c'est allé devant le... Et la Cour de justice de l'Union européenne a donné tort à la Flandre. Hein.
Alors, c'est pas encore acté, hein, puisque c'est simplement le réquisitoire, enfin la plaidoirie de l'avocat général, mais qui donne quand même l'orientation. Oui. On aura le jugement définitif dans 3 semaines, à peu près 3-4 semaines. Mais il a clairement dit que la souffrance animale devait s'incliner devant la liberté de culte. D'accord. Donc les carottes sont, si j'ose dire, voilà. Je pense. Le bœuf carotte est préparé, oui, tout à fait. Oui, le bœuf carotte, donc. Et donc, ça confirme ce que je pense depuis longtemps. Il faut agir sur sur l'hygiène, puisque c'est une méthode qui est sale, qui est rétrograde, et on ne peut faire une saignée, c'est ce que je dis à mes amis de la protection animale, oui. On ne peut faire la saignée selon les principes modernes, c'est-à-dire en ne sectionnant que les vaisseaux sanguins, en épargnant la trachée et l'œsophage, voilà, oui. que si on a étourdi l'animal, c'est-à-dire s'il ne bouge pas. Mmh, oui. Donc, on gagne sur tous les tableaux, mais c'est une question. On vit dans une époque quand même qui est curieuse, où l'émotionnel domine. C'est le cerveau droit, hein, bien sûr. Ouais, et oui, le cerveau droit, etc. Prime sur la raison. Ouais. Moi, je me situe dans une action résolument rationnelle. Dans le cerveau gauche. Voilà, cerveau gauche, bien, je vois que vous avez des notions qui sont très précises. Ah, j'ai lu Lucien Israël, oui, bien sûr. Ouais, qui sont fondamentales d'ailleurs. Oui, mais absolument, oui, c'est ça. Enfin bon, c'est une parenthèse. Voilà. Allez-y. Mais tous les cette conception donc de émotionnelle court-circuite l'intelligence. Oui. Et en plus, de voir que on a une efficacité parce qu'il y a une autre émotion qui est l'émotion archaïque obscurantiste de certaines religions, hein, ou pseudo-religions, oui. qui empêche justement donc on a un affrontement entre deux idéologies. Moi, je ne me place pas dans une perspective idéologique. Non, mais effectivement, vous n'êtes pas, je ne plaisantais pas tout à l'heure en disant que vous n'êtes pas islamophobe, mais chariaphobe, en effet. Voilà, vous opposez à une pratique et non pas à une idéologie ou une religion. Voilà, tout à fait. Donc, la praxis de certaines praxis de l'islam ne me plaisent pas. D'accord. Et je les conteste de façon fondamentale. Voilà. Mais avec des arguments rationnels et scientifiques. Voilà, tout à fait. Tout d'accord. À fait. Alors, j'aimerais revenir sur ce que vous avez dit il y a 5-6 minutes concernant la concentration des populations animales et humaines. Et vous me disiez, hors antenne, qu'on avait remarqué une chose, c'est que plus les concentrations dans les lieux d'élevage étaient importantes, et plus les animaux étaient en souffrance, et plus les gènes se propageaient. Voilà, tout à fait. Alors, il y a des études qui ont été faites, notamment en Hollande, Pays-Bas, qui ont montré que, et notamment par l'étude d'un gène, qui est un cauchemar dans les hôpitaux, qu'on appelle le staphylocoque doré, qui a coûté la vie à de très nombreux patients, hein, qui lui fait partie des maladies nosocomiales, mais le nombre de ces staphylocoques dorés multirésistants aux antibiotiques, on a pu faire des études très très précises augmentent avec des porteurs sains, hein, donc sur les animaux, donc sur les humains, augmentent avec la concentration des animaux, le D'accord. nombre des animaux, etc., D'accord. la concentration animale. Ouais. Quand on étudie une chose de façon sérieuse, on trouve une confirmation souvent de ce qu'on subodorait, à savoir que les élevages concentrationnaires sont générateurs de très nombreuses choses, à la fois pour la souffrance animale, voilà. Et également au niveau de l'hygiène.
Alors, vous avez beaucoup participé à des campagnes contre l'Aïd el-Kébir, qui représente, alors là je vais parler anglais, excusez-moi, mais le top du top au niveau dissémination dans l'environnement des bactéries pathogènes. Ah, tout à fait. Alors là on est en plein délire, hein, parce que là aussi, pour satisfaire... Une clientèle. Voilà. Là, on a laissé filer, puisque, d'une part, comme on a fait fermer... Alors, le paradoxe, c'est qu'on a fait fermer beaucoup d'abattoirs en France. Je n'ai pas de dimension suffisante dans les autres pays, mais en France, en tout cas, ça, j'en suis sûr, on a fait fermer beaucoup d'abattoirs parce qu'ils n'étaient pas aux normes, au point de vue sanitaire. Et évidemment, comme il y a moins d'abattoirs, lorsque vient la Ebola, pour tuer tous ces moutons, parce qu'il n'y a plus d'abattoirs à proximité, on a autorisé des abattoirs temporaires, dans des conditions de bricolage total. Et donc, c'est du dérogatoire à l'état pur. Il n'y a pas de... Voilà. Alors, on a en gros un tiers des moutons qui sont abattus dans des abattoirs en dur, où il y a peu des conditions sanitaires à peu près correctes. Sauf que là, on se retrouve avec le contenu du rumen qui est dispersé, comme je viens de le voir. On a un tiers qui sont abattus dans les abattoirs temporaires, avec là aussi, c'est encore pire, parce que c'est même direct, il n'y a pas d'hygiène générale. Donc, c'est répandu. Donc temporaire, c'est carrément sur une place publique ou sur un parking, ou dans une cave, ou je ne sais quoi. Voilà, dans des bâtiments industriels, des affinités, etc. D'accord. Mais toujours avec, alors là, l'autorisation préfectorale, etc. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'on nous fait un cinéma pas possible sur le Covid, avec des conditions mais absolument drastiques. Si vous avez un masque qui couvre simplement le tiers du nez, vous risquez 135 euros d'amende. On autorise des dérogations qui sont autrement plus pathogènes. Il y a encore pire. Bon, alors allez-y, on vous écoute, Mme Peretti. Il y a un tiers des abattages, vous dites, il y a trois tiers. Un tiers en abattoir normal, un tiers en abattoir temporaire, et un tiers toujours... À domicile, donc dans les salles de bain. Parce que selon la culture, etc., oui. le must, encore un mot anglais... C'est pas grave. Le must, c'est que le chef de famille abatte le mouton devant ses enfants. Oui, ça leur sert d'exemple pour éventuellement des actions futures. Pas forcément contre des moutons, d'ailleurs, mais... C'est une espèce d'accoutumance culturelle. Voilà. Allez, donc. Et que cette pratique est tellement incompressible, même si elle est classée comme délit et devrait être sanctionnée, que certaines municipalités, pour éviter que les abats, les viscères et les peaux ne soient mis dans des décharges à ciel ouvert, dans la campagne ou autre, dans des lieux où on aurait un gros problème d'hygiène... Eh bien, mettre à la disposition de ces communautés des bennes. Dans les rues. D'accord. Donc, à même la circulation des piétons. À même la circulation et de façon absolument illégale. Mais évidemment, bien sûr. Enfin, c'est le dérogatoire dont vous parliez tout à l'heure, c'est-à-dire un illégal provisoire. C'est même pas dérogatoire, puisque c'est totalement hors la loi. Ah, c'est totalement hors la loi, ça. D'accord. Ah non, c'est totalement hors la loi. Ah oui, d'accord. Oui, c'est-à-dire que les collectivités... Alors d'ailleurs, j'ai un contentieux contre la mairie de... Le SICTOM de Mulhouse, parce que là, on avait été parfaitement... SICTOM, c'est le ramassage des déchets et... Voilà. Ah ouais. Qui avait organisé, qui avait même envoyé une plaquette que nous avons pu avoir, etc. Et on a déposé une plainte au pénal... Hein, puis c'est du pénal, là, c'est pas des... Et ça fait plus d'un an, et qui n'a toujours pas reçu de réponse, ni de classement sans suite, ni quoi que ce soit, de la part des autres communes. Et voilà. Alors, c'est pour vous dire, et là, quand on revient au problème de l'antibiorésistance, je peux vous dire que là, les germes antibiorésistants, les germes, ils se régalent. Ah oui, se délectent, j'imagine. Ouais, c'est ça, c'est la fiesta pour eux. Ils se répandent dans toutes les directions, y compris dans la direction des couffards.
C'est le nom qu'on donne aux mécréants. Oui, c'est ça. Puisque dont nous sommes. Les germes sont totalement laïcs. Je vous annonce cette nouvelle, mon cher Henri. C'est que les germes sont totalement laïcs et parfaitement laïcs. Hein. Ah, voilà. Oui, ils ne pratiquent aucun culte, a priori, hein, je crois. Voilà, tout à voilà. fait, oui, bien sûr. D'accord. Donc, voilà un petit peu l'état des lieux dans notre beau pays, qui est complètement délirant. Délirant. Ben, écoutez, oui, enfin, c'est d'autant plus délirant qu'on vit une crise sanitaire qui est absolument dramatique. L'économie est à mal, c'est le moins qu'on puisse dire. On nous parle d'un nouveau confinement possible d'ici quelques semaines ou quelques mois. Et on laisse pratiquer des choses, mais qui sont absolument scandaleuses, puisque la dissémination des germes microbiens, là, est absolument avérée et n'est pas sujet à doute. Il n'y a pas de doute. On n'est plus dans le système de précaution, on est vraiment dans le constat sanitaire. Voilà, tout à fait. C'est ce qui fait la force de cette action que nous allons initier, qui va être précédée, là, donc on va essayer de mobiliser les médias sur la question. Vous êtes le premier. Oui, vraiment, docteur de Peretti, nous sommes extrêmement flattés, notre autre Daniel Conversano et moi-même, de recevoir la primeur de ce travail absolument exceptionnel. Ah, c'est une primeur totale, et donc, bon, ça s'est trouvé comme ça, mais parce qu'on a déjà travaillé ensemble, donc vous avez été informé, vous avez eu un espèce de délit d'initié, dans quelque sorte. Oui, alors, je vais rien vous cacher, mais je suis membre de Vigilance Halal. C'est vous dire, si je suis en plein délit d'initié. voilà, exactement. Et donc, ce qui fait qu'on a eu le plaisir de faire cette émission et qui me permet de commencer à lancer cette campagne, notamment médiatique, d'information. J'ai aussi donc des contacts avec quelqu'un qui a une grande audience, qui est André Berkoff. Hein, de Sud Radio, oui, très bien, très très bien. Voilà. À qui je vais envoyer mon ouvrage, qui va très certainement rebondir dessus pour organiser une émission. Voilà. J'avais déjà participé à une émission avec lui. Vous avez également TV Liberté qui vous a contacté. Alors, TV Liberté, évidemment, ça y est, c'est prévu, etc. Voilà, je crois que Radio Courtoisie ne vous a pas contacté. Non. Et même quel si dommage, contacté, quel dommage. Même s'il me contactait, je pense que Bon, vous réservez vos informations à des radios sérieuses, très bien. Voilà, des amis. Très bien, parfait. Bon, c'est une private joke entre nous, on est bien d'accord. Docteur de Peretti, est-ce que vous savez que ça fait bientôt une heure que nous parlons? Oui, justement. Alors écoutez, est-ce que, bon, j'aimerais d'abord entendre une conclusion de votre part, ou d'abord ou après, peu importe, mais vous m'avez dit quelque chose d'important, parce que moi je vous ai dit que j'ai une formation scientifique, donc ce que vous m'avez dit m'a absolument sidéré, c'est que votre papier, le fameux rapport dont nous parlons depuis maintenant une heure, met en cause le darwinisme et le pasteurisme. Donc, alors, si vous pouviez en quelques minutes nous parler de ça, je pense que vous allez intéresser un certain nombre de médecins et de scientifiques. Alors, ce rapport, en plus d'être un pavé dans la mare du halal... Alors, c'est un pavé de 20 pages, attention, ce n'est pas un pavé au sens... mais qui est étayé par... Oui, mais absolument. Un rapport de 1600 pages... D'accord, ça n'est que la substantifique moelle de ce rapport de 1600 pages. Exactement. Oui, d'accord. Voilà, donc c'est une espèce de condensé où voilà. J'ai obtenu des points saillants en le mettant à la portée, si vous voulez, de toute personne. Alors attention, c'est en effet de la vulgarisation, mais extrêmement sérieuse, puisque franchement, voilà. Bon, il faut quand même s'accrocher pour le lire, ça ne se dit pas comme un roman. C'est pas Guillaume Museau, si vous voulez. Hein. Voilà. Voilà. Donc, alors, en plus d'être ce pavé qui va apporter, j'espère, nous permettre d'obtenir une victoire sur le halal. Voire un prix Nobel. Non, oui. Donc, sur la charia et être le début d'une reconquête intellectuelle. Hein, donc, arrêter de reculer devant la poussée de l'islam.
Ça, c'est le premier point. Absolument. Mais elle convient effectivement sur le plan sortie des choses assez révolutionnaires, à savoir que, effectivement, premièrement, pour le darwinisme, on se rend compte que, avec cette histoire des bactéries, quand on les signe, elles sont inchangées depuis des millions, voire même des milliards d'années, qu'elles ont, depuis le début, des gènes qui leur permettent d'être antibiorésistants, que cette antibiorésistance ne se transmet pas d'une bactérie mère à une bactérie fille, hein, donc en ligne verticale, comme c'est le cas du darwinisme. D'accord. Mais que tout ça se transmet de façon horizontale. D'accord. De bactérie à bactérie et non pas en filiation. Et ça, c'est complètement contraire au darwinisme. Ah oui, hein. D'accord. Donc là, effectivement, c'est une. Je veux dire, d'un point de vue scientifique, c'est une petite révolution quand même. Ah, c'est une petite révolution. D'accord. Et par ailleurs, donc, ça remet aussi en cause le pasteurisme. Hein, ça permet de passer. Enfin, en matière scientifique, d'ailleurs, on peut pas dire qu'une théorie soit fausse. La plupart du temps, on sait qu'on progresse vers la vérité en la dépassant. Vous voyez, on la dépasse parce qu'elle n'abordait qu'une facette. Micro-facette, quelquefois, même de la réalité. Hein. Absolument. Mais les scientifiques ne parlent que de théorie, ils ne parlent pas de vérité absolue. Voilà. Donc, la théorie permet de mettre les choses en ordre, et évidemment, en les mettant en ordre, on se rend compte qu'il y a des choses qui ne cadrent pas à la théorie, oui. Et du coup, ça mène à la réviser. Bon, je ne relèverai rien sur le mot réviser, naturellement. Oui, non. Non, c'est terminé. Voilà. Voilà. Donc, je dirais pas que. Voilà. Donc, si vous voulez, on a besoin donc de le but de ce rapport, de cette action, c'est surtout d'arriver à l'interdiction de facto de l'abattage rituel. D'accord. Voilà. D'accord. Et on se donne l'association Vigilance Halal sous ma houlette, donc se donne les moyens. Nous donne les moyens d'arriver à ce but, non pas par des réclinations, non pas par des délibérations, mais par un travail sérieux, scientifique, rationnel et judiciaire, basé sur les règles de droit. Judicieux et judiciaire, oui, tout à fait. Et un droit, je précise, et ça sera mon mot de conclusion, très bien. Un droit, ce n'est pas la charia. Oui, bien sûr, on a tout à fait compris. Voilà. Sur le pasteurisme, honnêtement, je n'ai pas compris votre raisonnement là. En quoi est-ce que votre travail mettait en cause le pasteurisme? Alors, parce que Pasteur met beaucoup pense que le microbe est mauvais en lui-même, en quelque chose, j'essaie de résumer. Oui. En lui-même, qu'il faut lutter contre le microbe pour lutter contre la maladie. Et les choses sont beaucoup plus complexes que ça. C'est-à-dire que, d'ailleurs, je crois qu'à la fin de sa vie, il avait bien évolué. Il même remis lui-même en cause. Le microbe n'est rien et le milieu est tout. D'accord. C'est-à-dire, oui, effectivement. Donc, c'est une sérieuse révolution. Hein. Voilà. Donc, au départ, et on a fondé une bonne partie de la médecine moderne là-dessus, il faut lutter contre le microbe qui est notre ennemi. Oui. J'essaie de faire quelque chose de un peu synthétique et qui soit facile à comprendre. Pour Pasteur, le microbe est l'ennemi, il faut le détruire. Et en fait, c'est pas aussi simple que ça. Il faut justement voir les harmonies, les déséquilibres qu'il y a dans notre environnement, dans notre organisme, dans les pathos. On l'a bien vu avec le Covid, ou les pathologies les pathologies donc préexistantes favorisaient bien entendu l'action du virus. Vous l'avez vu, c'est ça. C'est ça qui contredit le pasteurisme en définitive. D'accord, très bien. Ben, écoutez, je comprends mieux effectivement maintenant. En tout cas, docteur de Peretti, un grand merci pour
Cet entretien, encore une fois, ça constitue une primeur. Vous nous avez dévoilé ce travail absolument remarquable. Je répète que ce travail est un ensemble d'une vingtaine de pages à peu près, mais fondé sur un rapport de plus de 1600 pages, si j'ai bien compris, c'est bien ça. Donc c'est un travail éminemment scientifique, ce n'est pas du tout un mouvement d'humeur de votre part, on est bien d'accord. Donc, je précise que dans mon rapport, il y a tous les renvois au travail de base du docteur Tillier, hein, avec le numéro de la page. Il y a une partie sur les abattoirs et la isothérapie qui est par contre uniquement de mon cru. Oui. Voilà. Donc, j'ai essayé de faire un tableau qui permettent de faire une idée. Alors, ce document sera, on va le mettre. Oui, alors quand est-ce qu'on pourra le consulter? Alors, Et où? J'en ai fait imprimer quelques-uns. Il sera à la vente pour ceux que ça intéresserait. Et surtout, il me servira évidemment de base pour l'action judiciaire. Absolument. Et pour l'action de lobbying auprès des politiques. Et auprès de l'Union européenne, donc. Et l'Union européenne, et les politiques de tout poil. Hein, d'accord. Tout poil et de toute plume, hein, bien sûr. De toute plume, voilà. Voilà. Très bien. Ouais. Écoutez, voilà. Docteur, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter éventuellement? Le mot de conclusion vous appartient, hein? Voilà. Non, je pense qu'on a été à peu près exhaustif là-dessus. J'espère avoir été suffisamment clair. Vous avez été parfait, comme d'habitude, mon cher De Peretti. Voilà, donc pour... voilà. Et puis si par... vous me direz où est-ce que je peux avoir le lien pour cet entretien. Ah bah, on vous le dira, on vous le donnera, rassurez-vous. Voilà. Et pour pouvoir le mettre, évidemment, sur le site. Et en tout cas, bon, c'est un lien qui va être très rapidement diffusé. Daniel Conversano s'y est engagé, dans la mesure où vous êtes très sollicité sur d'autres médias et on n'aimerait pas rater justement cette primeur, la primeur que vous nous faites. Oui, si j'ai bien compris, vous êtes un nouveau média et il faut faire sa place au soleil. Et donc là, en faisant une exclusivité en prime time. Oui. Non, mais écoutez, on a compris, donc vous êtes pardonné à ça. Vous faites un coup, en définitive. Oui, on fait un coup, là. On va faire le buzz. Voilà, très bien. Et grâce au docteur De Peretti, eh bien, écoutez, docteur, merci infiniment pour ces propos qui ont été à la fois très clairs et très convaincants. Je pense que ça a appris énormément de choses à nos auditeurs et aux gens qui nous ont regardés. Merci infiniment et sans doute au prochain Aïd El Kébir, parce que on se voit et on s'écoute et on s'entretient régulièrement pour l'Aïd El Kébir, on est bien d'accord. Donc grâce à nos amis musulmans, nous avons des contacts réguliers. Tout à fait. Très bien. Merci infiniment docteur Alain Peretti et amis de Vive l'Europe, à très bientôt.